option. Tu m'as vérifié pour lui. Tu m'as vérifié pour lui, mon compteur. On est fini quoi en direct. Je vais t'en foutre. This is my team. And we have one dream. Bonsoir à tous, on se retrouve pour l'équipe de Greg avec un match de folie. Et oui, on attendait des buts, et ben là on a été servi, on a eu 5 buts dans cette seconde période. Et c'est finalement le Portugal qui s'est imposé 3 buts à 2 face au Ghana. On va le débriefer ce match, mais aussi l'actualité de l'équipe de France, toujours avec Karim Benani, Benoît Tremoulinas, Camille Macali, Julien Aliane, Pierre Boubi et Samuel Olivier. Pour une fois, on n'a pas été très bon au niveau de Madame Irma, mais on s'était dit il faut qu'il se passe quelque chose en seconde période. Là, merci messieurs, ils nous ont écoutés parce qu'on s'est régalé en deuxième période. Oui, 5 buts dans cette seconde période, beaucoup de tirs, enfin, et des tirs cadrés un peu dans... dangereux dans cette partie. Alors, 11 tirs côté portugais, 5 cadrés, 9 pour les Ghanéens qui n'avaient pas tiré en première période. En termes de possession de balle, l'équipe de Fernando Santos a largement eu le ballon, plus d'efficacité, plus de précision dans les passes également. Et puis, ils ont gagné plus de duels aussi que les Ghanéens, les Portugais qui l'emportent, on le rappelle, 3 buts à 2. Et oui, c'était le deuxième match donc de ce groupe H. Est-ce que tout simplement, on rappelle que la compétition a commencé dimanche, nous sommes jeudi, on a assisté au plus beau match de cette compétition. La plus belle seconde période, peut-être. Mais je vous rappelle les 45 premières minutes, il faut avoir un peu de mémoire. Vite, vous savez. Oui, j'ai l'impression, c'est la génération zapping. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se plaindre. À la mi-temps, on a fait le bilan d'une première période qui était quand même très très pauvre, et en occasion et en rythme. Là, pour le coup, il s'est passé beaucoup de choses, même si je pense qu'il faut mesurer la victoire portugaise parce qu'il y a eu une erreur d'arbitrage, je crois. On en reparlera, du pénalty, donc sifflé en faveur de Cristiano Ronaldo, scandale ou pas, on en débattra tout à l'heure, parce qu'il rentre aussi dans l'histoire et c'est évidemment important. Mais on va rester quand même sur effectivement la prestation des deux équipes, parce qu'il y a eu un réveil des deux équipes. Pas mal d'erreurs ghanéennes qui amènent des buts, et puis une fin de match un peu folle, parce que les Ghanéens sont à bloc et ça ouvre beaucoup d'espace en contre dans le dos de la défense pour les Portugais. Mais bon, on a pris du plaisir, faut pas le bouder non plus. Mais oui, prendre du plaisir, Karim. J'adore c'est ça. Votre devise. Je suis un épicurien, ma chère Karim. Oui, j'ai bien aimé cette deuxième période, évidemment. Plus beau match du mondial, je sais pas. J'ai bien aimé aussi la deuxième période d'Arabie Saoudite-Argentine, par exemple. Il y avait du suspense avec cette surprise incroyable des Saoudiens. Moi, je pense que cette équipe portugaise a réussi à sortir du piège ghanéen. Et c'est une bonne chose parce qu'ils prennent une option très importante sur la qualif. Et attention, on reparlera de cette équipe du Portugal, je pense, tout au long de ce débrief, mais je trouve que justement, cette équipe qui se reposait beaucoup trop sur Ronaldo les années précédentes a une diversité offensive qui peut être intéressante et dangereuse dans ce mondial si cette équipe prend confiance match après match. En tout cas, elle prend la tête de son groupe parce qu'on le rappelle que dans l'autre match, il y avait eu un triste 0-0 également et c'était déjà le quatrième depuis le début du mondial. Benoît, vous avez été joueur. On va parler de ce qui s'est passé à la 65e minute. Cristiano Ronaldo qui obtient un pénalty face à ce pauvre Salisu. C'est une arnaque absolue. Là. C'est un scandale ce pénalty ou pas? On est proche du scandale. Après, ça peut... Approche, on donc on n'y est pas. Parce que ça peut siffler. Moi, ce qui... Mais à quel niveau?
sans la VAR. C'est ça qui me c'est ça qui m'embête moi, parce qu'il y a quand même la VAR derrière pour vérifier. Il y a plusieurs mecs dans le camion pour vérifier et ils acceptent. Alors est-ce que c'est parce que c'est Cristiano Ronaldo qui a quand même une certaine aura dans le milieu du football et que ce but était important pour lui? Je ne sais pas, mais effectivement pour moi après la VAR il y a pas pénalty clairement. S'il n'y a pas la VAR, bon, à vitesse réelle. Oui, la VAR doit nous éclairer. Exactement, s'il y a un vitesse réelle, c'est compliqué. Et là, ce qui est étonnant, c'est que l'assistance vidéo n'appelle même pas l'arbitre pour lui demander d'aller voir les images. C'est ça qui me dérange. C'est pour ça que je parle de la VAR. Parce que, après, au final, tant mieux pour nous, pour les spectateurs, parce qu'en fait, ce but-là a décanté le match. C'est vrai. Parce que, du coup, le Ghana a été obligé d'attaquer. Ils ont égalisé. Ou non, ils ont. Ils ont égalisé, bien sûr. Ils ont égalisé. Grâce à André Ayou. Exactement. Et du coup, en fait, ça, bah, après, ça a été. Ça a ouvert énormément de brèches dans chaque défense et ça nous a permis aussi de voir autant de buts. Mais effectivement, ce premier but pose question. Moi, je dois mesurer, Benoît, pardon. Allez-y. Vous avez été joueur aussi, pas au même niveau, mais joueur aussi. C'est un scandale absolu. Franchement, il n'y a absolument pas faute. Je ne vois même pas à quel moment le joueur ghanéen touche Cristiano Ronaldo. Il s'effleure rapidement dans la surface de réparation, mais il n'y a absolument pas pénalty. Enfin, franchement, vu le petit rire narquois de mon ami Pierre Boubi, on va tenter avec Pierre. J'ai l'impression qu'il dira le contraire. Mais franchement, si Pierre, toi, tu vois.